Et yosh, la scène famille. Aujourd'hui, on est vendredi. Là, il y a mon poteau, ma mène, my nam. Oui, il s'appelle Nam en fait. Il est venu me rendre visite pendant que je travaille sur ma vidéo. Il est venu faire le chef coq. Montre-moi ce que tu nous as préparé, Nam. Qu'est-ce que tu nous as mis? Petite nouille sautée aux carottes avec des bons nems. Cuit au four, bien sûr. Cuit au four. Gars, moi j'appelle ça, attendez, moi je vais donner un nom gastronomique. Rocher de nems sur ses cheveux d'ange de nouilles instantanées. Rocher de nems, ça c'est magnifique. Ce week-end est un week-end chargé et j'adore les week-ends chargés, vous savez pourquoi? Contenu, vlogging. Donc demain j'ai tournoi de foot, mais je vous en dirai un peu plus demain. Et ce dimanche nous avons la convention Medinasia. C'est l'expo manga, anime et tout ça, K-pop et tout ça. J'ai hâte de vous montrer tout ça ce week-end. Mais avant, séance de fit, séance bras du vendredi soir avec la Smala. Tout le monde est là, Cui-Cui est là, Enea est là, Félix, Mamen, Nam, Mathias à l'arrière. Nous avons un clown qui nous a rejoint à la salle là. Là c'est pour faire les dips. Et lui il a cru que c'était un mannequin. Il s'est cru pour Ip Man. Ça c'est pour moi ça, salade de blé d'eau. Mal avec les smileys, je suis comme Patrick J. Les murs du bâtiment, j'ai gravé Kenji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Samedi, c'est parti. J'ai dormi 3-4 heures cette nuit à cause de ce type. Réveille-toi, on va au foot. On va faire foot. On va faire foot. On va faire foot. Et oui, c'est le pyjama de ma copine. Tu te réveilles? Tu te réveilles? On va faire foot? Toute la team au complète. Hi, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Oh là, Shaolin Soccer. La la. My ding ding dong.
Yo, je suis une famille. Donc aujourd'hui, c'est un tournoi entre Chinois. Je suis un Vietnamien, mais je joue dans un tournoi de Chinois, va comprendre. C'est pas un tournoi entre restaurateurs, c'est un tournoi entre Chinois. Mais comme c'est des Chinois, c'est tous des restaurateurs. Donc c'est un tournoi entre restaurateurs, mec. Bah, Wan, on est concentré. Dedans. Tu l'arrêtes, Bawan, tu l'arrêtes. Allez, oh yeah yeah oh Et voilà, nous avons terminé 3ème sur 3, non, je déconne, 3ème sur 6, score plutôt pas mal pour un groupe qui ne joue jamais ensemble. Et j'ai perdu ma cheville, voilà, ça fait un peu chier parce que je voulais faire haltérophilie et tout ça demain, donc je sais pas. On rentre et on va manger. Ok, Yosh, la scène family, aujourd'hui, on est dimanche, je vais prendre un jour de repos parce que je suis cassé de partout, mes chevilles, le dos, les jambes, partout, partout, partout. J'ai dit que j'allais à l'exposition Made in Asia, la convention de manga et tout ça. C'est parti. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Bon bah apparemment c'est réunion scout vietnamien ici. Un autre abonné, comment tu t'appelles? Ismaël. Ismaël, merci de regarder mes vidéos. Merci. Expo. Fini. Ok, me voilà rentré de la Made in Asia. Est-ce que c'était bien la Made in Asia? Oui, c'était bien. Je viens à la convention Made in Asia depuis la première édition, je ne sais pas la quantième c'est, mais là, je pense que la première c'était en 2009-2010. Je vous avoue, chaque année un peu c'est la même chose. Donc, heureusement il y a des activités, il y a des nouvelles activités. Je suis content, j'ai vu quelques abonnés aujourd'hui, mais il y a une chose que je n'ai pas vue. Chaque année je vais là, je vais à la Made in Asia, je m'attends à voir ça. Ah, je déconne, c'est une blague. Mais à terminer le week-end, on va au restaurant. Le restaurant, ça fait Pornostar, regardez. Ça fait Pornostar. Ok. Bordel, c'est de l'art. Et la scène familiale, le week-end chargé est enfin terminé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux derniers jours, je n'ai pas été
à la salle. Et oui, il m'arrive de prendre des jours de repos. En fait, j'avais pas trop le choix ce week-end parce qu'hier, j'avais le foot. Mais bon, c'était une journée de cardio et de mollets. Oui, parce que vous me demandez si je fais les mollets. Je ne fais pas souvent les mollets, c'est vrai. Mais hier au foot, j'ai fait une journée de mollets. Aujourd'hui, je les sens, mais comme jamais. Aujourd'hui aussi, c'était du repos actif. On a marché toute la journée à la convention Medinazia. Je vous avoue, j'avais du mal avec toutes mes courbatures, mes douleurs d'hier. Mais j'ai bien fait de prendre ce week-end de repos actif car mardi, je vais faire le challenge des 1000 répétitions au soulevé de terre, le challenge des 1000 deadlifts. Et il faut que je sois en forme pour mardi, quoi. Et oui, avant de vous quitter, j'ai un truc à vous dire. La Sane Family, sur ma dernière vidéo, il y a une personne à l'arrière qui fait un deadlift avec, oui, une mauvaise forme. Dans les commentaires, je vois pas mal de remarques à ce propos. Je suis d'accord qu'on dise, faut faire attention et tout ça, mais faut pas critiquer, les gars. Au moment même, j'ai vu comment il faisait son soulevé de terre et... je me suis permis d'aller vers lui et de le corriger. Je pense que ça se voyait que c'était un débutant. J'ai corrigé son exercice et je l'ai aidé. Donc je disais qu'il ne faut pas s'amuser à critiquer les gens. Souvent aussi, je vois sur Facebook des gens qui filment d'autres personnes à la salle en train de faire un mauvais mouvement et ils en rigolent. Au lieu de filmer les gens, de critiquer, il faudrait justement aller les aider, sachant que voilà, ça peut être mauvais pour le dos, mauvais tout court, quoi. Donc voilà, il faut savoir qu'on est tous passés par là. Moi, vous, on a tous été débutants à un moment, on a tous fait des erreurs. Moi, au début, le soulevé de terre aussi, je le faisais comme lui et on m'a appris à le faire correctement. Au triceps, pareil. Moi, je me souviens, au triceps, je faisais comme ça, quoi. Et on est venu vers moi, on m'a aidé. On oublie souvent qu'on a été débutants nous-mêmes. Et qu'on passe tous par là. Voilà, c'était ma petite philosophie du soir avant de dormir et de vous quitter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un autre vlog, la Sane Family.